Bonjour à tous et bienvenue sur Développement Facile. Dans cette nouvelle vidéo toujours dédiée au marketing, moi j'ai envie que vous puissiez augmenter votre chiffre d'affaires, profiter de la joie de ce qui est de vendre et de faire plaisir à bon nombre de vos utilisateurs, donc en augmentant les revenus générés par vos applications, donc en faisant connaître vos applications et vos jeux, en rendant heureux vos utilisateurs. Donc voici un nouveau cours sur le marketing. Et là, je vais vous apprendre comment concevoir une offre irrésistible, que ce soit une application, un jeu ou des services, donc des services informatiques. Comment rendre l'offre irrésistible pour que vos prospects se jettent dessus et deviennent vos clients et vos plus fidèles clients. Donc déjà, vous allez apprendre à étoffer votre offre. Si vous proposez l'application, votre application est sûrement très bien, votre jeu est très bien, je ne dis pas le contraire. Par contre, vous allez apprendre à étoffer votre offre, à rajouter des choses. Par exemple, dans votre application, vous pouvez envoyer un cadeau par la poste. Tout simplement une clé USB avec l'application dessus. Ça ne vous coûtera pas très cher, mais ça fera, je peux vous assurer que ça fera énormément plaisir à votre client qui reçoive une clé USB avec l'application dessus. Donc, il l'a déjà téléchargé sur votre site, il l'a déjà installé, il reçoit une clé USB de 10 ou 20 gigas. Il va être ravi. Pour vous, ça ne vous coûte pas très cher et le client, il sera énormément content. Pour l'accès à votre jeu, donc il a payé, il a accès à votre jeu par Internet, mais envoyez-lui par exemple un poster dédicacé, un manuel au format papier. Ça ne va pas vous coûter très cher à créer. Mais je peux vous assurer que le joueur, lui, il sera content. Il aura un poster, il aura, je ne sais pas, des stickers. Réfléchissez à rajouter des bonus supplémentaires qui ont de la valeur pour vos utilisateurs. Si vous regardez les offres développement facile de formation, je rajoute tout le temps tout un tas de bonus supplémentaires pour que les clients soient ravis. Et surtout que j'offre une garantie satisfait ou remboursé 60 jours. Donc, s'il n'y avait que l'offre, pas de bonus, la plupart des clients demanderaient à être remboursés. Et au contraire, aucun des clients n'a demandé à être remboursé jusqu'à maintenant. Donc, faites vraiment des offres irrésistibles. Je vous l'encourage. Donc, je vous l'ai dit, vous pouvez rajouter des bonus supplémentaires. Par exemple, des bonus en téléchargement. Je ne sais pas, un niveau caché pour un jeu en téléchargement qui n'était pas annoncé. Pour une application, un add-on qui va les aider à faire telle ou telle chose dans l'application, un add-on gratuit, bonus supplémentaire. Vous pouvez envoyer des cadeaux par la poste. Vous pouvez même faire des surprises, mais qui ne sont pas annoncées dans l'offre. C'est-à-dire, il a l'offre, il avait les bonus supplémentaires, le client est content, il était au courant de tout ça. Et moi, c'est ce que je fais, par exemple, 2-3 mois après qu'un client ait souscrit à une formation, que ce soit JavaScript, HTML5, etc. Hier soit un bonus qui était annoncé nulle part. Et il est super content. Il se dit, ah, j'ai encore un nouveau bonus. Donc, pensez à des surprises non annoncées dans votre offre. Vos clients, ils vont adorer, littéralement adorer, quoi. Et donc, une offre irrésistible, pour qu'une offre soit vraiment irrésistible, c'est-à-dire qu'elle doit apporter beaucoup plus de valeur à votre client que son coût, que son prix. En principe, c'est un ratio de 6. Par exemple, si vous vendez une application 100 euros, vous devez apporter de la valeur pour 600 euros à votre client, 6 fois plus de valeur. Et là, je peux vous assurer que vous avez une offre irrésistible. C'est-à-dire, le visiteur, l'internaute, il voit votre page de vente, il dit toute l'offre, les bonus, tout. Il dit, c'est génial, il y en a pour 600 euros au moins, c'est un truc de malade. Et il va voir le prix, c'est que 100 euros. Il va se dire, cette offre, c'est dingue, je veux direct, tout de suite, ce produit, cette application. Donc, faites vraiment des offres irrésistibles pour vos clients. Vous allez voir, vous allez convertir, avoir un taux de conversion. Vous pouvez doubler votre taux de conversion de prospects en clients en faisant une offre irrésistible avec un ratio de 6. Donc, augmentez votre offre, complétez-la. Ça va vous, forcément vous coûter très cher d'augmenter votre offre. Hein. Trouvez des idées de bonus, franchement. Vous pouvez même poser la question à vos prospects, qu'est-ce que vous préférez avec telle ou telle application ou tel jeu, qu'est-ce que vous voulez en plus? Ils vont vous donner une tonne d'idées et là, je peux vous dire, quand vous aurez créé votre offre irrésistible, eh bien, vous allez faire des ventes, vous allez augmenter votre chiffre d'affaires.
Vous avez aussi d'autres idées, par exemple, de bonus cadeaux. Des cadeaux complémentaires à votre offre, c'est-à-dire vous avez une offre pour résoudre tel ou tel problème, une application qui résout tel ou tel problème, et vos bonus peuvent répondre à un problème de riche, entre guillemets. C'est-à-dire, c'est le problème qu'auront vos clients une fois qu'ils auront atteint l'objectif promis par votre application ou dans votre jeu. C'est-à-dire, votre application, elle promet de leur faire économiser 1000 euros par mois, par exemple. Donc, ils vont faire une économie de 1000 euros par mois grâce à votre application. Donc, ils auront ces 1000 euros en plus par mois. Ben, le bonus, ça peut être très bien un cours sur comment investir les 1000 euros par mois que vous aurez gagnés grâce à notre application. Et les prospects, ils vont être super contents. Ils vont se dire non seulement ils vont économiser 1000 euros par mois, donc 12 000 euros par an, mais en plus, cette entreprise est super sympa car grâce à à son application, j'économise 1000 euros par mois, 12 000 euros par an. Mais en plus, il me donne une formation pour réinvestir cet argent et augmenter encore mon capital. Donc, pensez au problème de riche une fois que votre client aura atteint l'objectif promis par votre formation et répondez à ce problème avec un bonus gratuit. Vous allez voir, ça va cartonner, votre offre va cartonner. Ouais, bah, dans le PowerPoint, justement, je vous ai mis l'exemple de cas. Enfin, en fait, je fais les exemples à la volée dans la vidéo, vu que je fais le cours en direct. Je ne suis pas forcément exactement le PowerPoint mot à mot. Je vous ai mis un cas typique, comment payer moins d'impôts une fois que votre application ou vos jeux aura fait un carton. C'est-à-dire, vous vendez une application qui facilite la vie d'une entreprise et celle-là va leur faire gagner beaucoup, beaucoup d'argent. Et donc, votre bonus supplémentaire, c'est une formation, comment ils peuvent payer moins d'impôts, tout simplement. Bon, c'est des exemples, hein. Après, ça dépend dans quelle branche est votre entreprise, pour votre jeu, le type de jeu, etc. C'est des idées que je vous donne à adapter à votre marché, tout simplement. Donc, bah, maintenant, rendez vraiment votre offre irrésistible. Pensez au ratio de 6. Elle doit apporter 6 fois plus de valeur à votre client que son coût. Et là, je peux vous garantir que votre taux de transformation de prospect en client, il va exploser et votre chiffre d'affaires aussi. Donc, à votre tour maintenant d'utiliser la puissance du marketing pour développer votre chiffre d'affaires, développer, augmenter vos revenus générés par vos applications et par vos jeux. Si vous avez des questions, comme d'habitude, posez-les sous ce court vidéo. Et moi, je vous invite à cliquer sur le lien ici ou sur l'image, lancer la vidéo 2. Dans la deuxième vidéo, ensemble, on va aller beaucoup plus loin dans le développement, c'est-à-dire vous allez découvrir ma méthode en 5 étapes pour créer des applications à chaque fois performantes et surtout très important, dans votre langage de programmation. Avec ces 5 étapes, vous pourrez apprendre un langage de programmation très rapidement et créer des applications performantes 2 à 3 fois plus rapidement. Je répondrai également à toutes vos questions, c'est-à-dire dans la deuxième vidéo, je vous explique comment vous pouvez me poser toutes vos questions marketing pour augmenter votre chiffre d'affaires généré à partir de vos applications et de vos jeux. Donc, tout ça, c'est dans la deuxième vidéo. Donc, je vous invite à cliquer dès maintenant sur le lien, sur l'image, lancer la vidéo 2. Moi, je vous retrouve dans la deuxième vidéo. Je vous dis à tout de suite.